Depuis la mort de Johnny Hallyday, les tensions entre Laura Smet et Laetitia Hallyday sont plus que palpables. Alors que les deux femmes se sont déchirées autour de l'héritage de l'idole des jeunes, elles ont finalement trouvé un terrain d'entente. Seulement aujourd'hui encore, leur relation ne semble pas être au beau fixe. La preuve en est que mardi 27 avril 2021, la fille du rocker a laissé un commentaire qui en dit long sur ce qu'elle pense de sa belle-mère. Après avoir partagé une photo de la mère sur son compte Instagram et avoir écrit quelque part en légende, plusieurs internautes ont reconnu l'endroit et assuré que la photo avait été prise au Cap Ferret. Il faut dire que la jeune femme y passe de bons moments là-bas. Elle y a d'ailleurs dit oui à l'homme de sa vie, Raphaël Lancret-Jabal, durant l'été 2019. Trop beau, superbe, très joli endroit, ou encore un petit coin de paradis, peut-on lire parmi les commentaires des internautes qui semblent vraiment apprécier le cliché. Seulement, l'un d'entre eux a repéré qu'il y avait des griffes de sorcière, autre nom des plantes à fleurs aussi appelées carpobrotus et du lit ou figue marine ou encore ficoïdes comestibles, parmi les fleurs sur la photo. Commentaire auquel Laura Smet a répondu par « sorcière ou belle-mère ?» avec de nombreux émojis morts de rire. Il semblerait ainsi que la comédienne ait lancé une pique non dissimulée à Laetitia Hallyday. Quelques minutes plus tard, Laura Smet a fait marche arrière et a finalement supprimé son commentaire. Cette pique de Laura Smet ne devrait pas lui permettre de se réconcilier avec Laetitia Hallyday. Néanmoins, les choses étaient dites et de nombreux internautes ont eu le temps d'immortaliser la déclaration qui ne devrait pas faire plaisir à la principale intéressée. Si les relations entre les deux femmes étaient sur le point de peut-être s'améliorer, cette nouvelle pique devrait remettre tout en cause.